Les eaux usées de Rouyn-Noranda contiennent tellement de métaux lourds que les boues provenant des infrastructures d'épuration ne peuvent être recyclées. Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie sur une branche dans un arbre près de l'école Golden Valley. L'Abitibi-Témiscamingue était des trois dernières régions administratives de la province à ne pas être desservies. 68 % des professionnels de l'éducation affirment que les élèves ne reçoivent pas les services requis. Une nouvelle campagne contre les virus respiratoires débute le 10 octobre au Québec.